m'appelle Antoine Détourné, je suis engagé pour l'exécutif master spécialisé expert en audit, contrôle de gestion et système d'information. Moi, je n'étais pas du tout destiné à travailler dans ces métiers-là. Depuis des années, je travaille dans le domaine de la finance solidaire et de l'entrepreneuriat social. Et je suis venu ici parce que j'ai besoin de renforcer et d'acquérir peut-être aussi des compétences que j'ai peut-être un peu apprises sur le tas. Donc voilà, je viens chercher des compétences et puis aussi des occasions d'élargir mon horizon professionnel. Bonjour, je m'appelle Petrus Laswadi, je suis indonésien. C'est pour obtenir surtout les connaissances théoriques et le retour d'expérience des intervenants de ce programme et avoir des liens privilégiés avec les alumni aussi. J'ai choisi le MSMPP d'abord, d'une part parce que j'ai déjà exercé des fonctions de chef de projet dans d'anciens postes. Et donc, c'est le domaine dans lequel je veux me spécialiser. Donc, en accord avec mon manager, je veux remettre à jour toutes mes compétences fiscales au-delà de ce que j'ai pu connaître en entreprise. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres avec des professionnels avertis et expérimentés dans ce domaine et puis avec des étudiants de tous horizons. Alors, mon ressenti est vraiment très positif. Je dirais que c'est une formation qui tient toutes ses promesses. Alors d'abord, les promesses en termes de programme. C'est vrai que le programme est très riche et le programme balaye vraiment tous les impôts et taxes, que ce soit au niveau patrimonial, fiscalité du dirigeant, fiscalité de la société. Ça fait vraiment écho à tout ce que je vis en entreprise. Les points principaux que moi je retiendrai, c'est d'abord la diversité et la richesse des enseignements. On couvre vraiment toute l'étendue de la palette de la gestion de projet. Et surtout que moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est d'enchaîner les contenus théoriques avec les parties pratiques. Je suis très content d'avoir engagé cette formation, tant au niveau de la qualité des enseignements, des compétences qu'on peut acquérir, que du partage et des travaux en commun qu'on a avec les autres étudiants qui viennent d'entreprises très variées. Ça m'ouvre également l'esprit sur différentes choses, sur des métiers que j'avais peut-être pas imaginés quand j'ai commencé le cursus et qui me donne plus d'envie actuellement. On a vraiment un programme dense et riche avec de divers cours et variés. Il y avait des cours en stratégie, par exemple, ou en référencement. C'est des choses à laquelle je n'avais pas forcément pensé quand j'ai commencé et finalement qui m'ont vraiment attiré lors du cursus. C'est surtout pour la partie négociation. Comment je dois négocier avec mes collègues, ma direction pour appliquer ce que j'ai proposé, mes préconisations et surtout la mise en place des nouveaux processus pour améliorer le système dans cette société. On enseigne dans cet Executive Master. Le premier, c'est les systèmes d'information où on a une vision beaucoup plus qualifiée, c'est déjà très utile dans mon entreprise actuellement. La deuxième chose, c'est dans l'analyse de la performance des entreprises, on acquiert ici de nouvelles méthodologies beaucoup plus poussées, plus approfondies. Dès aujourd'hui, je peux mettre en application les connaissances que j'ai acquises dans les enseignements de Schema. C'est vrai que mes cours sur les contrôles et le contentieux fiscal m'ont permis de mieux comprendre le rôle de chacun, les différentes étapes aussi dans les relations avec les inspecteurs fiscaux et puis ensuite dans les démarches qui peuvent être menées si on est en désaccord avec les redressements qui nous sont adressés. Et en ça, je pense que cette formation, ça a été pour moi un accélérateur et finalement, je pense qu'en partie, c'était avec moi-même que j'avais aussi rendez-vous dans la formation.